Salut la gang! Bonne soirée à vous autres! Aujourd'hui, je vous pose pas nécessairement une question, je vous apporte plus un fait. En fait, j'ai vu une statistique. Je me souviens plus exactement où. Mais ça disait que 70% des gens ne touchent plus à un livre après leur parcours scolaire. Donc, est-ce que vous êtes du genre à aller chercher de nouvelles informations? Est-ce que vous avez continué à enregistrer des nouvelles données dans votre logiciel humain, dans votre cerveau? Est-ce que vous lisez encore des livres? Pas nécessairement juste pour la connaissance, ça peut être pour un divertissement, mais juste le fait de lire, déjà, on évolue, exemple, au niveau du grammaire. On connaît plus de mots parce qu'on lit plus. Est-ce que vous êtes du genre à aller lire, même si c'est pas un livre, maintenant il y a différents moyens, ça peut être un livre audio, ça peut être un article de blog, ça peut être le journal, peu importe qu'est-ce que vous lisez, c'est des informations qui se stockent dans votre cerveau, puis c'est des informations qui font que vous évoluez. Vous avez soit de nouvelles hypothèses concernant, exemple, la vie ou un autre sujet. Vous avez des nouvelles perspectives sur des sujets qui vous intéressent. Et vous faites évoluer les connaissances que vous avez dans votre cerveau. Donc, encore une fois, je vous demande, est-ce que, après votre parcours scolaire, vous avez continué à utiliser des livres, lire des connaissances ou même écouter des connaissances ou regarder des nouvelles connaissances? Comme je vous disais au début, 70% des gens ne regardent plus un livre après leur milieu scolaire, après leur parcours scolaire. Donc, est-ce que vous êtes parmi ceux justement qui a fait « moi j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai fini mon parcours scolaire, puis c'est 6 ans pour moi » ou est-ce que vous continuez à aller chercher de nouvelles connaissances? Ça peut être justement par rapport à vos passions, comme que je vous parle souvent. Donc, je sais pas, quelqu'un qui aime, peu importe, la chasse et la pêche, je pense à mon papa. je sais que mon papa n'aime pas beaucoup lire, mais parfois, justement, il lit des magazines au niveau de la chasse et de la pêche ou il va regarder des choses, des documentaires, des trucs comme ça qui lui apprend des nouvelles choses. Donc, est-ce que le temps que vous avez de libre, est-ce que vous l'utilisez pour faire évoluer vos connaissances, faire évoluer votre cerveau puis vos pensées par le fait même? Est-ce que ce que vous entendez autour de vous, c'est seulement pour du divertissement? Exemple, est-ce que vous écoutez Netflix dès que vous arrivez du travail jusqu'à ce que vous couchez? Encore là, Netflix, il peut avoir des documentaires, des trucs comme ça qui vous apprend des choses aussi. Qui sait? Mais, justement, est-ce que vous allez chercher ces connaissances-là? Est-ce que vous allez regardez autour de vous, puis allez, exemple, demander à quelqu'un qui a une expertise sur un sujet d'en apprendre plus sur ce sujet-là. Est-ce que les gens qui sont autour de vous parlent de sujets intéressants? Ou est-ce que c'est de la négativité? Parce qu'on dit qu'on est le résultat des 5 personnes qui nous côtoient le plus. Donc, veux pas, à force d'entendre ces personnes-là qui nous entourent, on finit par avoir des façons de penser similaires à eux. Souvent, on a des intérêts similaires à eux. Puis si ces personnes-là sont toxiques ou ont beaucoup de négativité, ben, veux pas, ça vous affecte aussi.
Donc, vous commencez peut-être à avoir plus d'excuses parce que c'est ce que vous entendez autour de vous. Donc, est-ce que vous portez attention à ceux qui vous influencent, à ceux que vous entendez toujours dans vos oreilles autour de vous? Est-ce que ces personnes-là font que vous avez une nouvelle perspective de la vie? Cette perspective-là, est-ce qu'elle est positive ou elle est négative? Est-ce que vous vous rendez compte que l'image que les autres ont de vous fait que vous devenez cette personne-là? Même si c'est pas nécessairement votre choix, à force d'entendre les gens autour de vous, puis à force d'avoir les mêmes patterns de vie, vous finissez par devenir quelqu'un que vous n'avez pas nécessairement choisi d'être. Est-ce que vous vous posez des questions sur ça? Est-ce que vous vous posez des questions sur est-ce que je suis vraiment la personne que j'aimerais être? Est-ce que je suis vraiment la personne que je veux que quand les gens m'entendent ou que les gens me voient, qu'ils ont telle ou telle image? Est-ce que vous avez déjà une image? Est-ce que les gens vous voient comme quelqu'un de paresseux ou quelqu'un d'un bon travaillant, un bon vivant? Est-ce que l'opinion des autres fait que votre personnalité diffère ou change au fil des ans? Parce qu'on a des différentes personnes qui nous entourent. On écoute des choses différentes. Puis, souvent, comme je vous disais, 70% des gens n'ouvrent plus un livre après leur parcours scolaire. Donc, est-ce que le niveau de connaissance que ces personnes-là ont est suffisante à la personne qui voudrait être? Ou est-ce qu'ils pourraient aller faire des recherches, que ça soit sur Google, dans des livres, dans des documentaires, d'aller voir peut-être le genre de personne à qui vous aimeriez ressembler? Est-ce que, comme moi, exemple, souvent, dans ma journée, j'essaie toujours d'avoir au moins un 15 minutes de lecture, puis un 15-20 minutes de vidéo. Puis les vidéos que j'écoute, c'est souvent des gens qui ont un succès dans ce que moi j'aimerais avoir. Donc, des gens qui déjà travaille au niveau de la croissance personnelle puis de la croissance professionnelle. Est-ce que le fait que j'écoute ces gens-là fait que je suis capable de vous parler aujourd'hui de sujets que j'aurais pas nécessairement eu parce que je pense pas que c'est à l'école qu'on apprend ces choses-là? Est-ce que le fait que je suis ce genre de personne-là puis je suis les personnes que j'aimerais devenir fait que cette information-là entre d'une façon un peu inconsciente dans mon cerveau, puis qui fait que mon discours diffère de qui j'étais avant parce que j'ai cette influence-là qui rentre dans mon logiciel qui est notre cerveau. Donc, est-ce que présentement vous êtes vraiment la personne que vous voulez être ou est-ce que vous savez au juste qui vous aimeriez être? Ou quelle image vous aimeriez projeter? C'est peut-être pas un beau mot, mais souvent je mélange l'anglais puis le français. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça déjà? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Est-ce que vous vous êtes créé une identité déjà? Puis que vous vous dites que cette identité-là ne peut plus évoluer ou que vous êtes à l'aise maintenant avec cette identité-là? Ou est-ce que vous aimeriez peut-être justement changer plein de choses dans vos vies puis par peur ou par insécurité, vous le faites pas? J'aime ça me poser des questions comme ça, puis j'aime ça vous faire réfléchir à vous poser des questions du genre. Si je peux impacter, comme je dis souvent, une personne par jour avec mon vidéo, ben ça sera déjà ça de gagner. Ça sera déjà quelqu'un qui va aller chercher peut-être un plus grand bonheur dans leur vie en
réalisant qu'ils ne sont pas bien dans la personnalité ou l'identité qu'ils se sont créés ou que les gens leur laissent penser qu'ils sont? Ou est-ce que vous êtes encore ouvert à changer, ouvert à évoluer, puis que vous êtes capable de parfois peut-être mettre fin à certaines amitiés ou à certaines relations qui vous entourent parce que ça ne ressemble plus à la personne que vous voulez être? Dernièrement, j'ai brisé une amitié de 2 ans parce que je me suis rendu compte que cette personne-là était profondément négative et parfois, le fait qu'elle n'était pas heureuse dans sa vie, elle m'envoyait des choses ou me faisait questionner sur qui j'étais, mais j'avais quand même encore la force nécessaire pour me dire que non, je suis pas cette personne-là que tu dis que je suis. Je suis pas comme ça. Si toi, t'es malheureux au point de vouloir que je suis aussi malheureuse de mon côté, je préfère me passer de cette relation-là. Donc, je me suis rendu compte que cette relation-là devenait toxique pour moi, malgré tout le bon que j'avais retiré de cette relation-là. Donc, est-ce que vous vous questionnez sur votre entourage? Est-ce que vous vous questionnez sur qui vous influence le plus, qui entre des messages dans vos têtes? Comme je l'ai dit tantôt, on est souvent le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Des fois, on choisit même pas c'est qui nous côtoie le plus. Ça donne que le fait qu'on fait telle ou telle chose dans notre vie, qu'on travaille à un tel endroit, qu'on fait telle ou telle activité, on finit par fréquenter des personnes qui nous ressemblent pas nécessairement. Puis qui nous fait peut-être se mettre des limites sur qui on pourrait être. Est-ce que vous êtes heureux avec qui vous êtes? Est-ce que vous êtes heureux dans l'endroit où vous êtes rendu? Ou est-ce qu'il y a des objectifs ou des rêves que vous aimeriez vivre ou tenter de vivre, tenter de devenir, puis que une certaine insécurité ou peur fait que vous vous rendez pas à cet objectif-là? Moi, j'ai le goût de vous encourager là-dedans. J'ai le goût de croire en vous jusqu'à temps que vous croyez en vous-même. J'ai hâte de voir les projets puis les résultats que les gens vont avoir après avoir eu des questionnements par rapport aux vidéos que j'ai faites puis qu'ils ont écoutées. Je commence déjà à voir justement des gens qui viennent me voir en privé puis qui commencent à me parler de leur projet, puis je trouve ça super intéressant. Puis je les encourage dans leur projet, puis eux, ils m'encouragent dans le mien en me disant qu'ils me suivent. Donc, c'est donnant-donnant. Puis, je pense qu'on cherche tous les deux le bonheur. Puis je pense que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez ont peut-être pas atteint ce bonheur extrême-là ou le bonheur possible qu'il pourrait y avoir si on est prêt à mettre les actions, les changements, couper le mauvais, couper qu'est-ce que on écoute pour rien, puis écouter quelque chose pour, j'ai le mot purpose en anglais, pour un but précis. Je vois de plus en plus de gens qui entrent puis qui me regardent sur mes vidéos, puis ça me fait plaisir de voir certaines personnes parce que je sais que certaines des personnes qui me regardent sont dans un point de leur vie justement qui pourrait culbuter ou qui pourrait faire qu'ils balancent d'un côté ou de l'autre, qui décident de rester dans, pas nécessairement la médiocrité, mais dans le mauvais passage dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils vont se laisser détruire par ce moment temporaire de leur vie, en croyant que ce moment-là temporaire n'est pas si temporaire, puis pourrait durer plus longtemps? Ou est-ce que ils ont la force
de faire comme ça suffit, je suis tannée de cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Puis c'est quoi ma prochaine action? Des fois, nos buts sont tellement grands que ils semblent inaccessibles. Donc, c'est peut-être de prendre ce but-là, ce rêve-là, cet objectif-là, puis le diviser en mini-tâches, en mini-objectifs, puis commencer par le premier. Un coup que le premier se ferait, de tomber au deuxième. Donc, c'est de commencer par le premier pas pour se rendre dans la bonne direction. Puis, de pas se laisser abattre par les échecs. Si on regarde, exemple, un enfant qui apprend à marcher, je pense que la majorité de nous a jamais vu un enfant qui a fait « Ah, moi, j'ai trop tombé. Je décide que dans ma vie, je marcherai pas. » Non, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas encore les mauvaises idées de notre environnement. On n'a pas encore la peur de l'opinion des autres. Puis on a, je pense, une force intérieure qui fait que on est prêt à apprendre tout, puis on est prêt à évoluer parce que c'est ça la vie. Puis je pense que au fil des années, les personnes oublient un peu ces choses-là. Que le fait qu'il y a 1, 10, 20, 50 échecs pour le même objectif, ça veut pas dire que tu le réussiras jamais. C'est juste de voir que est-ce que je suis assez forte pour continuer ou est-ce que je laisse tomber puis j'accepte où je suis. Je pense qu'on a toute la force en dedans de nous autres. Des fois, elle est peut-être endormie. Puis il faut un petit coup de pied au cul, comme qu'on dirait. Puis qu'on pourrait faire bien des choses dans nos vies. Puis devenir vraiment qui on voudrait être. Donc, je vous dis, continuez d'évoluer. Continuez de stocker de la nouvelle information, de la nouvelle connaissance dans votre logiciel humain, dans votre cerveau. Puis, continuez à explorer. Continuez à écouter ce qui est autour de vous, puis voir si c'est bon ou pas pour vous. Puis faites les changements nécessaires si ce doit d'être. Bon, je pense que j'ai assez jasé. Souvent, je me répète en plus dans mes vidéos. Mais c'est ça. Je suis contente que vous êtes là et que vous prenez le temps de m'écouter. Puis, je vous dis, lancez-vous, foncez. Réalisez ce que vous avez à réaliser. Devenez qui vous voulez vraiment être. Puis, c'est ça. Faites la première action, le premier changement. Allez-y, je crois en vous. Bonne soirée.